on a fait une entame qui n'était pas celle qu'on voulait faire malheureusement. Ils nous ont mis beaucoup de pression et puis on a su switcher à un moment donné, réagir en fait. On était plus dans la réaction aujourd'hui, malheureusement et heureusement, parce que du coup ça nous a permis de passer devant. Et ouais, on a eu 5 minutes où ça allait très vite, où on a réussi à mettre la pression petit à petit, on a su mettre 2 buts, être très efficace. Et ça c'est très bien, il faut la garder ça, parce que justement parfois c'est l'efficacité qui nous faisait défaut. Et là, au contraire, on était très efficaces, donc c'est très bien. Match nul était équitable, mais à 10 minutes de la fin, on gagnait encore 2-1, donc c'est quand même frustrant, même si c'est vrai que la deuxième mi-temps, ils ont bien poussé, ils ont eu peut-être plus de situations, mais on en a eu aussi. Malheureusement, là, on a manqué d'efficacité pour le coup, mais même si c'est peut-être équitable, je vais être un peu chauvin et je vais quand même être frustré ce soir. Ouais, ça me fait un bien fou. Après, sur le but, j'étais pas trop sûr parce que je sais que je l'ai dévié, direction du but, mais derrière, il me semble qu'elle a été déviée. Mais bon, c'est pas grave, j'y contribuais. Dans notre moment fort, parce que c'est vrai qu'ils ont bien poussé pendant les 15-20 premières minutes, on était un petit peu en dedans, mais ce but il vient au moment où justement c'était notre moment fort, donc le meilleur des moments, ça nous a fait du bien mentalement, on a trouvé de la ressource et puis derrière on a enchaîné le deuxième but, donc c'est vrai que ça fait plaisir de revenir déjà en Ligue 1, de pouvoir enchaîner un petit peu les matchs et puis derrière cerise sur le gâteau de mettre le petit but. Avant le match de signer pour un point, je pense que on l'aurait tous fait, contre une équipe qui a le meilleur ratio en Europe sur ses 6-7 derniers matchs. Donc c'était pas. Rennes, c'est pas des LOL. Donc je pense que c'est un bon point de prix. Et puis surtout, pour nous, il faut penser au positif. Sur les 3 derniers matchs, contre des belles équipes, on arrive à prendre des points et à avancer au classement. Donc c'est le point positif pour nous, les Stacks. Voilà, je suis arrivé un petit peu tardivement ici à les Stacks. Ils m'ont fait faire une belle préparation. Le coach voilà, a su me parler, a su prendre son temps aussi pour ne pas me cramer. Donc on a fait les choses par étapes et aujourd'hui ça commence à payer, donc ça me fait plaisir.